commencer par qui? Tu as tué premier, c'est qui? La vieille. C'est qui la vieille? C'est une fille. C'est très dans nos groupes là, en tête 3. C'est monsieur qui a levé sa fille, puis de la tuer. Et puis doit le tuer. Comme toi tu es tué là. Tu allais sur le terrain, tu as tué. Comment tu tues? Un truc, machette. Trois trains. Quoi? Trois trains, machette là. Trois têtes. Trois trains. Je comprends bien. Ah, une grosse maquette. Comment il se passe? C'est pas la seule maquette. Comment t'as fait? Le truc a coupé tête là. Comment t'as fait? Je l'ai gorgé. Elle était où pour te l'égorger? Elle était dans la maison. Mais comment toi tu t'as rendu dans la maison des gens pour les égorger? Moi, quoi. Je m'étais en joie, tu l'as trouvé. Hé, qui fait de la société avec toi? Non, il y a oublié ce qu'il dit, non, à très il y a oublié ce qu'il dit, en oiseau là. Vas-y. C'est de ça que je me transforme. Donc, quand elle arrive là-bas maintenant, il prend mon paume. C'est-à-dire, quand tu te transformes en chauve-souris, et quand tu arrives là-bas, tu prends ton vrai visage humain. Vu quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il dort, il ne se réveille pas. C'est ça, est-ce qu'elle dort? Oui. Donc, elle dort. Pourquoi elle n'arrive pas à se réveiller? Non, on l'a fait, on l'a fait depuis deux dans le rêve là. Il l'a dosé encore. Comment vous faites? Oh non, on souffle un vent. Ah, vous soufflez un vent. Maintenant, la personne dort. Vous le tuez. Comment vous faites? Si elle dort maintenant, on l'a gorgé. Si on l'a gorgé maintenant, on prend la chance. Mais pourquoi quand on l'a égorgé sur le lit, les gens ne voient pas le sang? Ceux qui ne voient pas, non, on prend ça, on met dans le bidon. Dans le bidon. Oui. Vous venez de mettre votre divin. Oui. Vous buvez ça comme vin. Oui. Maintenant, pourquoi les gens sur la terre, physiquement, ils ne voient pas ça? Ceux qui ne voient pas, ceux qui sont associés, ils voient. Ils voient, d'accord. Donc vous les gorgez, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais dans qui est-ce là, maintenant, on s'en rentre. Mais pourquoi la personne ne met pas même jour? Si on a programmé là, on ne se tue pas encore. On t'a programmé là, mais... Non, mais comme tu es gorgé, pourquoi le même jour la personne ne met pas? Si on t'a gorgé, maintenant, c'est mort. Mais si tu es mort maintenant, on prend ça en main dans nos royaumes là. Maintenant, on partage un truc à 100 maintenant. Vous partagez ça? Oui. C'est comme le vin. Oui, on met dans, on s'en tourne dans l'autre village encore. Hein, donc il y a association, comment il y a ça? Oui, ce truc à faire, si eux, il y a quelqu'un qui est mort là-bas, nous on nous donne aussi, donc nous on les donne aussi. C'est comme ça. Vous êtes solidaires, hein? Et qui encore? Et puis, tu as quand même, truc à. Et puis, il a tué truc quand même. Il y a un truc là, mon oncle là. C'est un truc qu'on m'a envoyé d'aller tuer ce truc là. Tu dis le boss de vos villages là? Oui, le boss de mon village là. Comment s'appelle le boss là? Il s'appelle Jean-Pierre. Hein? Dagobada Jean-Pierre. Oui, mais son frère s'appelle Benoît. Son frère s'appelle Benoît. Oui. Comment tu l'as tué? Un machette encore, gorgé encore. Comment tu as fait? Il était à Abidjan. On m'a envoyé. Tu es parti à Abidjan là-bas? Oui. Comment tu as arrangé? Tu es parti à Abidjan? Il me dit transporter comme tu es. Parce que les gens disent que c'est faux. Son chéri. Les gens disent que c'est faux, ça n'existe pas. Comment? Pourquoi? Parce que tu es là-bas, là-bas. Là. Il ne sait pas. Il dit, on s'en va. Comment toi tu peux t'arranger pour aller jusqu'à Abidjan? Maman, on te donne le pouvoir. Le pouvoir là, c'est comment ça? Vous voyez, c'est un quelque chose qui est là, blanc comme ça, là. Si tu manges maintenant, c'est là où tu donnes pouvoir. Puis tu fais quoi? Maintenant, si on te donne maintenant, si on t'envoie, on te fait truc là. Allez, on va comme ça, tu t'en vas. Comment on fait? On fait comme ça. Puis tu t'en vas. Même si c'est en France. Tu t'en vas. En Europe. Là, on n'a pas besoin d'ambassade. Donc elle est à Abidjan. Comment t'as joué à Abidjan? Je suis là à 4h. Ah, là-bas ça désiste, t'as vu? Non, mais tu ne veux pas 0h, mais 1 minute sur la route. Tu ne veux pas 1 minute sur la route? Oui. Dès qu'on te fait comme ça, tu sors. Tu ne veux pas 1 minute sur la route? Oui. Comment tu fais? Dès que tu es parti, dès que tu es retourné. Dès que tu es parti, même si tu es une mission, tu reviens. Sois content. Ouais. On m'a donné le nom là-bas, on m'appelle chef. On t'appelle chef. Parce qu'on dit chef, tu ne joues pas. Un chef, on n'est pas un chiffon. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Il n'a plus de volonté, il est animé par un esprit qu'on appelle l'esprit méchant. Selon Éphésiens 6, il y a un esprit qui vient loger dans son esprit humain et qui l'empêche, qui l'en conduit, qui le conduit à détruire. Parce que le sorcier fait trois choses, il détruit, il mange. Et d'abord, il détruit, il tue et il mange. Voilà. Ce sont des cannibales sur le plan spirituel.
Il ne vit que de la chair humaine. La chair humaine. Quand ils mangent la chair humaine, ça les fortifie, ça les amène à avoir plus de force. C'est pour ça qu'ils sont accro à la chair humaine. S'il y a quelqu'un qui devait avoir 20 ans de vie sur terre, et il prend, en le mangeant, chacun distribue sa vie. C'est pour ça que vous allez constater que dans les villages, les sorciers durent longtemps. Voilà. Donc il y a quelque chose qu'ils trouvent dans la chair humaine. Ils sont beaucoup accro à la chair humaine parce qu'il y a quelque chose. Quand ils mangent la chair humaine, ça renouvelle leur force. Et surtout quand ils boivent aussi le sang humain, ça leur permet d'avoir plus de force, d'énergie spirituelle. C'est pour ça qu'ils sont des vampires. Ils ne mangent que de la chair humaine, ils ne boivent que du sang humain. Voilà. Leur boisson, c'est le sang humain. Ils ne boivent que du sang pour avoir de l'énergie, de la force. Voilà. Donc, c'est des vampires. Ils ne boivent que du sang humain. Et c'est pour ça que nous devons combattre les sorciers. Parce que quand le sorcier tue, le sang, il requiert le sang. Hein. Ça sert de boisson. Voilà. Et il prend le sang. Vous voyez, quand le sorcier arrive à détruire, il y a une promotion qui se fait à son niveau. Il y a une promotion. Voilà. Quand le sorcier détruit, il a une promotion à son niveau. C'est pour cela qu'il veut forcément détruire. Parce que quand tu détruis quelqu'un ou la vie de quelqu'un, tu as une promotion. Voilà. Tu as des grades là-bas. Maintenant, quand tu le tues, on t'envoie à tuer quelqu'un d'un cher. C'est-à-dire ton père, que ce soit ton père ou ta mère. Et si tu, la personne qui s'occupe normalement de toi, qui t'apporte un soutien, voilà, quand tu arrives à le tuer, quand tu le livres, tu as une promotion encore de l'autre côté. Donc, c'est la sorcellerie, c'est. Quand nous écoutons des sorciers parler, c'est un peu, si vous voulez. On sent que la personne est malade. Parce que comment comprendre qu'une personne qui t'apporte une assistance, qui t'aide beaucoup, et c'est cette personne que tu tues. Et malheureusement, nous sommes en train de perdre les bras valides au niveau de l'Afrique. Les bras valides, nos cadres ont peur de rentrer dans le village. Nos cadres ont peur parce que ça... Mais au fait, ça ne les met pas aussi à l'abri des sorciers, la sorcellerie. Hein. Le fait d'avoir peur n'est pas aller dans le village aujourd'hui. Tu peux être même à Londres, tu peux être à New York, tu peux être un peu loin de l'Afrique. Et le sorcier, s'il a envie de te manger, il te mange. La seule chose qui peut nous mettre à l'abri de la sorcellerie, c'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Voilà, c'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies qui nous mettra à l'abri de tout ça. C'est vrai que Jésus-Christ dans nos vies, mais il y a encore une autre action qui doit être menée où nous devons pour pousser notre délivrance, pour couper avec tous les liens de sang, d'hérédité, tout ça. Voilà, donc voici un peu le travail que nous sommes en train de faire. Non seulement ça, dans les villages, parce que les villages sont moins évangélisés. Moins évangélisés, les gens sont pratiquement dans les grandes capitales. Quand ils ont l'onction, ils veulent forcément être, n'est-ce pas, aller dans les pays développés pour annoncer l'évangile. Pourtant, l'évangile, c'est à la portée de tout le monde. Jésus dit, allez, faites les nations, les disciples. Voilà, nos parents ont besoin de l'évangile. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ qu'ils sont sorciers. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Nous, dans notre ministère, on ne dira jamais... Comme ton papa est sorcier, ne parle plus à lui, ni ta maman. Non, on te dira, allons, on va aider le papa. Voilà, nous l'avons toujours fait. Quand on sent que le monsieur est dans la sorcellerie, son père et la mère sont dans la sorcellerie, on prend sur nous la responsabilité d'aller dans le village et même de les envoûter, délivrer le parent. Parce qu'on ne choisit pas un parent. Voilà, c'est Dieu qui nous impose un parent. Et s'il est malade de la sorcellerie, on peut même le délivrer, le débarrasser de cette maladie qu'on appelle la sorcellerie. Vraiment, c'est un mal. Si moi, je n'avais jamais été victime de ça, je ne pouvais même pas croire à la sorcellerie. Mais c'est ce qu'on appelle la maladie mystique. Parce que j'étais mystiquement malade. Et les sorciers m'ont donné une maladie mystique. Et Jésus m'a miraculeusement guéri. C'est pour ça que je crois à la guérison miraculeuse. Je crois à la guérison divine. Je sais que si tu es mal, quelqu'un malade, Dieu peut le guérir. Parce que moi-même, je suis un témoignage. J'ai été miraculeusement guéri par Jésus-Christ. Voilà, donc ce centre-là, c'est Péniel. Voilà, Péniel, c'est la présence de Dieu. Voilà, Péniel, c'est la présence de Dieu, où Dieu réside, où Dieu se manifeste. Ici, c'est la présence de Dieu. L'homme de Dieu que je suis, le prophète Crasso, je peux ne pas être là, mais toi, mets ta présence. Le fait même de venir ici, peut déjà, cette onction-là peut déjà te guérir. À cause du fait que c'est Péniel, la présence de Dieu, ça peut déjà te guérir. Voilà, donc nous, c'est Jésus-Christ. Voilà, je dis toujours à ces personnes qui viennent ici, ne vous focalisez pas sur la personne que je suis, mais dès que vous rentrez ici, elle est le regard fixé sur Jésus-Christ. Regardez seulement Jésus-Christ et lui fera le reste. Parce que la Bible dit que malheur soit celui qui se confie à l'homme. C'est vrai que je suis le prophète Crasso, c'est vrai, un instrument. Mais Dieu n'a pas forcément besoin de moi pour opérer ton miracle. Il est souverain, donc ne le limitez pas. En venant ici, c'est une manière de se recueillir, de chercher la présence de Dieu. Pas de venir avoir le regard. J'ai toujours dit aux gens, je peux ne pas te recevoir. Tu peux être dans ta chaise, puis Jésus peut te guérir. Voilà, il peut te guérir parce qu'il est là. Il est présent, c'est lui. Que moi-même je cherche, parce que c'est lui qui est la source de ma force. Celui qui est la source de mon pouvoir, c'est lui. Sans lui, je ne suis rien. Voilà. Et moi, je le prie chaque jour. Voilà. Je suis un homme, je peux me fatiguer là. Mais je suis là parce que c'est ça, le sacrifice. Nous sommes au service des humains. Il faut les écouter par moments. Il faut par moments s'oublier. Voilà. Par moments s'oublier, écouter des gens qui souffrent. Demander au Seigneur de les aider.
Voilà. Donc, c'est pas moi, il y a trop de sacrifices à notre niveau. Mais pour dire, c'est Jésus-Christ seul qui peut encore guérir.